Hey, petit texte d'actu japonaise, en japonais, de NHK News Webizy qui nous parle d'un biais sexiste qu'il y aurait peut-être dans l'attribution des, on va dire des prix, des subventions dans le domaine de l'art. On va regarder un peu tout ça. Bijutsu ya ongaku nado no shou, kimeteiru shinsain no 77% ga danse. Ah, contrairement à ce que j'avais imaginé initialement, c'est un petit peu différent. Parce que j'avais pas bien regardé le mot shinsain. On va regarder tout ça. Bijutsu ya ongaku. Bijutsu, les beaux-arts. Bijutsukan, un musée des beaux-arts, un musée dans lequel il y a de la. Il y a des belles choses. Il y a ongaku, la musique, nado, entre autres, no shou. Shou, c'est donc les prix, les récompenses qui sont accordées là, en l'occurrence, à des artistes. Kimeteiru shinsain no 77% ga danse. 77% des Shinsa, cette idée de jugement. In, c'est le membre d'un comité, le membre d'une société. Shinsa-in, c'est un juge, tout simplement. C'est pas. Je ne sais pas si ça peut s'utiliser pour un contexte judiciaire, je ne sais pas trop, dans le Saibancho, dans le tribunal. Et donc, Kimeteiru. Kimeteiru Shinsa-in. Donc, les juges qui décident, Kimeru décider, Kimeteiru Shinsa-in no 77% ga danse. Dansei, des hommes. Donc, 77% des membres enfin, des juges qui décident de l'attribution de ces prix sont des hommes. Geijutsuka ya senmonka nado no dantai ga bijutsu no ongaku, ungaku nado 9 つの分野の日本の賞で男性と女性が平等かどうか調べました。Pas mal de choses intéressantes dans cette phrase. Je vais zoomer un tout petit peu, voilà, là encore un petit peu plus grand. Super. Geijutsuka. Geijutsuka. Des artistes. Hein, c'est le gei de geisha. Geijutsuka. Le jutsu, la technique, hein, comme bijutsu, les beaux-arts. Geijutsuka. Après ce gei de gein, geijutsu, comment dire? Ouais, c'est vraiment une notion assez, assez large de la définition de l'art. Il y a senmonka, des spécialistes. Nado no dantai ga. Ok, donc on sait que dantai, puisqu'il est suivi de ga, ça va être le sujet de notre phrase. Dantai, c'est un groupe. Donc, un groupe composé de spécialistes, c'est mon cas, et d'artistes. Qu'est-ce qu'il a fait? On va regarder la fin. Shirabemashita. Il a mené l'enquête. Il s'est renseigné. Il a essayé de déterminer quelque chose. On va voir ce qu'il a déterminé. Bijutsu ya ongaku, bungaku nado, kokonotsu no bunya. Kokonotsu, hein, qu'on ne voit pas assez souvent, je trouve, parce que c'est quand même un mot assez délicieux. Kokonotsu, ça sent la noix de coco. Kokonotsu no bunya. Bunya, c'est un domaine, notamment un domaine artistique, par exemple. Hein, c'est un peu un équivalent de fieldro. Hein. Bungaku nado kokonotsu no bunya no nippon no shou de. Mm-hmm. De, ici, c'est comme nonaka de, ça veut dire parmi. Donc, parmi ou dans, ouais, on peut dire, voilà, dans le domaine, dans les prix au Japon, relatifs à 9 domaines artistiques, dont la littérature, la musique, les beaux-arts, etc. Donc, dans ces domaines-là, hein, ce dé-là, Dansei to jousei ga byodo ka dou ka shirabemashita. Le mot-clé, là, c'est biodo, ça veut dire l'égalité. Ben oui, c'est mon cas, effectivement, Réo Korogi.
Senmon, la spécialité. Oui, c'est un mot assez. On voit pas mal. Dansei, il est bien, il peut s'utiliser pour les spécialistes de à peu près n'importe quel domaine. Donc, c'est un bon mot à connaître, ça, Senmon. Donc, Dansei Todio, c'est ga byodo kadoka. Kadoka, ça indique une alternative. Donc, les hommes et les femmes, est-ce qu'ils sont byodo? Est-ce qu'ils sont égaux ou pas? Shirabemashita. C'est là-dessus qu'ont porté leurs recherches. Donc, ils ont cherché à déterminer si il y avait une égalité entre eux, les hommes et les femmes dans les prix qui étaient attribués dans neuf disciplines. Oups. Imamade no 10年 では誰に賞をあげるか決めている審査員の 77.1% が男性でした。今までの10年では。Donc, dans les 10 ans. Excusez-moi. J'ai un tout petit problème de navigateur. Boum boum. Bon, je vais continuer un petit peu, puis après, je vais devoir sans doute redémarrer mon navigateur. Excusez-moi. Donc, 今までの10年では。Dans les 10 années, les 10 ans jusqu'à présent, donc dans les 10 dernières années, imamade, jusqu'à maintenant, no junen dewa, dare ni shou ageru ka. Donc là, avant, on avait kadoka qui servait à mettre une interrogation sous la forme d'une alternative, oui ou non. Là, on a juste le ka qui indique si. C'est une question ouverte. Donc, dare ni shou ageru ka. Donc, à qui on donne, j'ai dit un si, mais ça peut être sur, la question peut être posée autrement. Donc, dareni, à qui? Shou ageru, à qui est-ce qu'on donne les prix? Ka, kimeteiru shinsain, donc les membres, les juges qui décident à qui on donne les prix. Non, 77.1% ga dansei deshita. Donc, ils étaient à 77,1%. Masculin, c'était les hommes. Ichiban iisho moratta hito mo 65.1% ga dansei deshita. Ah, on voit que non seulement il y a ce biais-là du côté des juges, mais il y a aussi le même biais, un biais similaire du côté de ceux qui reçoivent les prix. Ichiban iisho moratta hito. Donc, les personnes qui ont reçu, morata, c'est le verbe morau, recevoir, ichiban iisho, donc le meilleur prix, hein, ichiban ii, celui qui est ichiban, c'est le superlatif, donc le plus, celui qui est le plus bien, le plus mieux. ichiban iisho moratta hito mo, donc les personnes qui ont reçu le premier prix, on va dire. Elles aussi, hein, mot, 65.1% ga dansei deshita. C'était des hommes à 65,8%. Shinsain wa kenchiku ya design no bunya de wa 85% ijo ga dansei deshita. Ah, et donc ils nous ont parlé des domaines artistiques, mais on voit que vraiment ils ont couvert pas mal de domaines, puisque donc shinsaïnwa, donc toujours les juges, kenchiku, l'architecture, il y a design, le design, no bunya dewa, donc dans les domaines du design et de l'architecture, 85% ijo, donc plus que 85% ga dansei deshita. Donc c'était plus de 85% d'hommes dans ce domaine-là. 一番いい賞をもらった人は、映画や建築では80以上が男性でした。Le premier prix をもらった人は、donc on est exactement comme dans cette phrase qu'on avait vue avant. Donc ceux qui ont reçu le premier prix, 映画や建築では、donc en architecture et dans le cinéma, 映画、le film, 80% 以上が男性でした。Il y avait plus de 85% d'hommes dans ces domaines-là. C'est quand même assez spectaculaire. Alors, juste faire une micro-pause, le temps de rétablir un petit pépin de
Claire s'est rétablie. Elle est pas belle la vie? Il m'embête moins, hein? Je sais pas pourquoi c'est quand je fais les kanji qui coupent surtout. Dewa tsuzukemasu. On continue. 調べた人は男性が賞を決めて男性が賞をもらっていることがはっきりわかります。この数字を皆さんに知ってもらうことで平等になるように変えていくことができると思います。と話しました。Là, on a une grosse citation. 調べた人は Les personnes qui ont fait ces recherches, hein, 調べる, faire des recherches, tout ça. Les personnes qui ont fait cette étude, to hanashimashita, voilà ce qu'elles nous ont dit. Petit taux de citation après du discours rapporté comme ça. Donc, dansei ga shou kimete. Donc, les hommes décident du prix. Dansei ga shou morate iru koto. Donc, et le fait que les hommes reçoivent les prix, koto ga hakkiri wakarimasu. Hakkiri. Hakkiri, c'est quelque chose qui est extrêmement clair, qui est limpide, qui est très précis. Voilà, c'est une vérité qu'on ne peut pas remettre en cause. Wakarimasu. Donc, on voit bien, on a bien compris grâce à cette étude, ça met bien en lumière, de façon absolument imparable, le fait que les hommes décident des prix et les hommes reçoivent les prix. Kono suji o... Donc, suji, les chiffres. Kono suji o minasan ni shitte morau koto de. Ouhou. Là, on a un de qui indique le moyen. Un moyen qu'on utilise. Donc, koto. En utilisant le fait de shitte morau. Le fait que les gens vont savoir quelque chose. Shitte morau. Hein, il sous-entend, ça c'est vraiment un truc, enfin, vous savez que le te morau, te kureru, te ageru sont très difficiles à traduire, c'est juste la petite nuance que, en faisant ce qu'ils ont fait, ils ont obtenu en retour que les gens avaient appris ça. Donc, en diffusant l'information auprès de tout le monde, hein, minasan ni, en diffusant ces chiffres auprès de tout le monde, byodo ni naru yo ni, Byodo ni naru yoni. Yoni, ça indique une intention. Hein, afin que, de sorte que. Byodo ni naru, devenir égal. Ni naru, ça indique un changement d'état. Donc, Byodo ni naru yoni, kaete iku koto ga dekiru to omoimasu. Kaete iku. C'est le kaeru qui veut dire changer, se transformer. Kaete iku koto. Donc, le fait que. Il y a du changement, hein, vers plus d'égalité. Byodo ni naru yoni kaete iku koto ga dekiru to omoimasu. Donc je pense qu'il sera possible de faire changer les choses vers plus d'égalité en diffusant ces chiffres auprès de tout le monde. Voilà, voilà. Donc il y a du boulot. Il y a du boulot.